En sport, les étalons dames sont en Eswatini depuis hier pour le match aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2023. Demain, 20 septembre, nos dames affrontent leurs hôtes au stade national Le Sombolo en prélude au choc. Les étalons dames se sont entraînés, ambiance d'échauffement donc avec nos envoyés spéciaux Daouda Ouattara et Mamadi Wena. Après un long voyage, elle retrouve pour la première fois le terrain au centre technique de l'Eswatini Football Association. Une pelouse synthétique similaire à celle du Somlolo National Stadium, où l'équipe nationale féminine d'Eswatini va recevoir la nôtre. Pascal Sawadro, en un peu plus d'une heure d'horloge, a pu peaufiner quelques aspects technico-tactiques. On a d'abord révisé ce que nous maîtrisons. Maintenant, on a rentré dans les différents scénarios. Cela, c'est jouer comme ça. Voilà comment on va jouer. On a vu comment l'équipe masculine a joué contre les étalons. Ils ont fait un bloc bas fermé et procédé par des contre-attaques. Donc, c'est à nous aussi de voir différents points de jeu. C'est ce qu'on a essayé de voir. Maintenant, il y a trois qui manquent à l'appel. J'espère que demain, on va faire d'abord une séance vidéo sur les matchs qu'on a joués. Et venir ici le terrain pour venir maintenant faire une petite application. Je pense que tactiquement, bon, les choses sont en place. Malgré ses absences, l'entraînement de ce soir a été intensif et permet à Jacqueline Cédro et ses camarades de mieux assimiler les éventuels problèmes que pourrait poser un adversaire peu connu d'elle. Le début, je trouve que c'est déjà bon. On a essayé de faire quelques exercices et je pense que l'exercice qu'on a fait, c'est déjà pas mal. C'est déjà bon. Eswatini, c'est une équipe qu'on n'a pas encore croisée. On ne connaît pas le jeu de l'équipe. Donc, pour le moment, on se maintient et puis on les attend. Demain, le groupe au complet ira à la reconnaissance du Somlolo National Stadium à 15h local, 13h temps universel, heure à laquelle est programmé l'acte 1 d'Eswatini Burkina version féminine.